اور تینائی دیلا بابا جی بابا جی Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit la semaine dernière, on va se faire une petite vidéo pour préparer la Civic pour la piste. Je vous pose le contexte. Fin août, il y a le fameux événement HEM, Honda Euro Meet. Et comme vous l'aurez compris, bah c'est vraiment un rassemblement Honda européen. Genre tu vois, tu sais, c'est pas le petit rasso européen. Donc il y a des mecs de toute l'Europe qui viennent. Nous on a de la chance parce que bah, ça se passe en France, même si moi personnellement ça va quand même me faire plus de 7 heures de route. Donc bah déjà premièrement en tant que possesseur de Honda depuis que j'ai le permis en fait, c'est un événement bah voilà que je ne pouvais pas louper, parce que ça fait déjà plusieurs années avant, hein, bien avant que je me remette à YouTube, bah que je devais y aller en fait, et moi et ma chance, hein, j'ai toujours eu des merdes genre une semaine avant de prendre la route en fait pour y aller. Cette année, je touche du bois, mais rien devrait pouvoir m'en empêcher. Et du coup, j'ai pris la grosse formule. Hein. Donc le rasso sur tout le week-end et toute la journée du samedi pour aller pister sur le circuit de Clastres. Oui, voilà, le HEM, ça se passe à Clastres, dans le nord de la France. Et en fait, comment vous dire que j'ai eu une petite prise de conscience de me dire que là, la voiture, elle va faire 8 heures de route. On va la martyriser pendant, allez, environ 4 heures cumulées, hein, sur la piste là-bas, et il va falloir qu'elle refasse 8 heures de route pour rentrer, tout ça sans broncher. J'y crois pas trop. C'est pour ça que dans cette vidéo, bah, je voulais vraiment vous montrer ce que je vais faire pour la fiabiliser, entre guillemets, le temps d'une journée piste, quoi. Donc là, attention, on va pas parler de performance, de machin. Là, on sera uniquement dans un objectif fiabilité. Genre, bah voilà, faire en sorte que ça se passe le mieux possible, d'avoir le moins de problèmes une fois sur place. Parce que pour vous dire à quel point je suis débile, à la base, j'avais prévu d'aller au HEM avec les pneus que j'ai actuellement, donc les Yokohama AD08RS, donc de faire la route pour y aller, là-bas, de pister avec ces pneus, et de rentrer avec ces pneus-là, même si en soi, c'est pas impossible, je pense que c'est une prise de risque un peu inutile, et surtout que bah forcément, ça va un petit peu m'empêcher de m'amuser là-bas, parce que je serai là en mode « Ah, faut pas trop que j'use les pneus, faut quand même que je rentre avec et tout ». Donc voilà déjà, règle numéro 1 quand tu veux faire de la piste, prévois des pneus. Et tu sais quoi? Bon, on va aller les chercher tout de suite. Après, je me suis dit, bon bah, des pneus, ouais, c'est bien. Mais une fois là-bas, je les monte comment? Parce que c'est pas dit que je connaisse quelqu'un qui ait une machine à pneus ou quoi, et puis, c'est pas envie de faire le gratteur. Du coup, il te faut aussi 4 jantes. Merde, mon portefeuille! Donc tu les auras reconnus, là pour les pneus j'ai opté pour des Toyo R888. Apparemment le meilleur pneu du marché, celui qui bat tous les records sur le ring et tout. On va voir ce que ça vaut, hein. Après bah pour les jantes je m'attardais pas trop non plus sur l'esthétique, parce qu'une fois de plus c'est des jantes qui vont pister, qui risquent de voir un petit peu de l'herbe, du gravier ou quoi, donc vraiment je m'en foutais. En fait en allant les chercher j'ai eu la super bonne surprise de me rendre compte que bah, c'était des vrais OZ. Genre des vrais OZ Super Turismo WRC, là, un truc comme ça. Pour l'instant, je les laisse comme ça, en noir dégueulasse, et peut-être qu'à l'avenir, je leur ferai une petite peinture blanche avec les stickers d'origine. Enfin bon, on verra. Non. Anto, t'as dit que tu t'en battais les couilles, c'était des jantes pour pister. Donc bon, c'est bon, maintenant, on a des pneus et des jantes. Enfin, on a des roues de rechange, quoi, carrément. Donc maintenant, qu'est-ce qui est très important quand tu vas faire de la piste? Les freins. Les freins, c'est pas mal quand même. Donc là, du coup, bah, on va un petit peu contrôler l'état des plaquettes. Ça fait très longtemps que j'ai des durites aviation, que du coup, bah, je vais poser, enfin. Bah, forcément, qui dit changer les durites, dit repurger le système de freinage. Et ça, croyez-moi que ça lui fera pas de mal, parce que... En vrai, je l'ai jamais fait depuis que j'ai la voiture. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Le refroidissement. Très important aussi quand tu fais de la piste, parce que ta voiture est à haut régime tout le temps, tu l'exploites à fond, et bien qu'une voiture soit quand même étudiée pour tenir le coup, elle n'est pas étudiée dans des conditions piste, tu vois. Une voiture sur piste, ça chauffe plus, c'est indéniable, c'est normal, tu vois. Côté refroidissement, j'ai déjà un radiateur neuf, je l'avais changé hein, quand on avait refait le moteur. Donc là, bah, ce que je pensais faire, c'était passer sur des durites de silicone, parce que pareil, ça fait un moment, je sais pas si tu les vois juste là. Ça fait un moment que j'ai des durites de silicone que j'ai pas posées. Pareil, hein, qui dit changer les durites, dit repurger le système de refroidissement. Donc bon, ça par contre,
On l'a déjà fait plein de fois, vu que le moteur est déjà sorti deux fois de la voiture. En matière de liquide de refroidissement, je me fais pas de soucis. Je m'attends pas à trouver un truc noir. Donc refroidissement. Et enfin, pour terminer, j'avais un petit problème sur la voiture. C'est que dès que je prenais un rond-point, mais genre même à 20 à l'heure, hein, tu vois, j'ai la voiture qui déjaugeait. J'ai la pression d'huile qui baissait. Et après, voilà, bah, quand je fais des demi-tours un petit peu sauvages, bah, j'ai carrément la pression d'huile qui retombe à zéro. Bon, après, tu sais, pendant une demi-seconde, tu vois, mais bon. C'est pas censé faire ça, la voiture est pas censée déjauger. Enfin, elle est pas censée. C'est pas bon quand elle déjauge, quoi. Donc c'est pour ça que, bah là, pour résoudre le problème, on va passer sur un carter d'huile cloisonné. Et là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris un spoon. Ah, ça va, ça va, ça va, c'est le petit plaisir. Je fais un petit récap. Pneus sur jante, freinage, système de refroidissement et carter d'huile cloisonné. Allez, go. La tenue de combat est enfilée, on va pouvoir y aller. Ah non, attends, j'ai oublié de te dire un truc. Pour ce fameux HEM là, j'organise un petit convoi, on va passer par plusieurs villes, donc ça t'intéresse, attends. Départ Grenoble, vendredi matin à 9h. Après on passe par l'île d'Abo, on passe par Lyon, enfin Villefranche, on passe par Dijon, par Troyes, par Reims, et après, ben... on sera au HEM. Donc voilà, donc si tu fais partie de ces villes, je mettrai toutes les informations du convoi dans la description. Donc il y a un événement Facebook pour ça, ou alors sinon c'est une story à la une sur mon Instagram. En espérant vous voir nombreux. J'avais dit quoi du coup moi? Ah oui, les freins. Le cric il passe toujours pas, hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces pneus. Bon alors de ce côté-là, niveau plaquettes, on est encore bon. Donc bon, je dis pas qu'elles sont neuves, hein, bien sûr, mais je dis juste qu'elles pourront largement faire l'affaire pour le HEM. Niveau disque, bah il est encore bien lisse, il est pas creusé. De ce côté-là, c'est tout bon. Ah, attends, non, c'est pas tout à fait bon. Voilà, là on est bon. De ce côté-là, bah, niveau plaquette, il nous en reste aussi. Et le disque, bah pareil, il est encore tout lisse. Il n'est pas creusé. Bon, bah déjà, première bonne nouvelle, les freins s'usent en même temps, à la même vitesse. Donc du coup, de ce côté-là aussi, on est bon. On est bon. Allez, maintenant, on va contrôler l'arrière. Puis vu qu'on va faire la purge, on essaye de faire en sorte qu'elle soit à peu près de niveau, la voiture. Et puis bah là, on a l'air pas mal, hein. Peut-être lever encore un petit peu. Alors là, de ce côté, par contre, les plaquettes, comme tu vois, il en reste un peu moins. Et le disque est un chouïa plus creusé. C'est bizarre. Enfin, normalement, ça freine un peu moins de l'arrière. Ou peut-être, vu que c'est plus petit, ça suce plus vite. Moi, j'en sais rien. Mais bon, là, les plaquettes arrière, comment dire? Et de ce côté, bon, bah, forcément, c'est pareil. Ah ouais, il reste vraiment pas grand-chose. Et le disque... Ah ouais, il est un peu plus creusé ici. Là, il est plus creusé que le côté gauche, que le côté arrière-gauche, je veux dire. Alors, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai l'arrière-droit qui freine plus que l'arrière-gauche. Donc, en fait, c'est un réglage à faire au niveau du piston de l'étrier arrière et des câbles de frein à main là-bas derrière. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Mais du coup, bon, bah voilà, je confirme que les plaquettes arrière sont... t'as changé. Alors pour les freins, du coup j'ai opté pour du liquide de frein, du RBF 600 Motul. On m'a grandement conseillé, même plus que les nouveaux, le 650 ou 690, je sais pas quoi. Voilà, apparemment le RBF 600, c'est et ça restera le best. Apparemment, hein, moi j'en sais rien, je vous dis ce qu'on m'a dit. Les Duritavia, donc je suis resté sur du EBC pour compléter le combo bien sûr. Même si je vous cache pas que bon bah disque et plaquette EBC, je commence un peu à en voir la limite. Donc je verrai à l'avenir pour passer sur du carbone Lorraine. Enfin bref, on verra. Donc voilà les petites plaquettes arrière, toutes neuves, toutes belles. Et on va avoir besoin bah, d'un petit bidon spécial purge. Donc ça, puis idéalement, ben
Il te faut un pote pour venir pomper pendant que tu vas desserrer la vis de purge. Pomper la pédale de frein, ça y est, allez, commencez pas là. Alors je propose qu'on commence par les durites. Première chose à faire, repérer laquelle va où. Mais là j'ai l'impression que c'est les quatre mêmes. Ah non, là regarde, tu vois, on a un petit angle sur le raccord banjo. Alors que là, c'est quasiment droit. Donc je pense que celles qui ont l'angle, elles vont à l'arrière. Et deuxième chose aussi, donc c'est marqué en gros, en rouge, quand tu achètes les Duritavia, c'est de contrôler si déjà la distance, les raccords et tout, c'est bon. Donc on va contrôler ça tout de suite. Donc là, ouais, là on serait bon. Jusque là, bah oui, nickel. Donc on prend notre petit bac, on le positionne dessous. Et puis eh ben, on va desserrer le raccord banjo juste ici. Afin de vider le circuit. Donc tu prends ton cliquet, ta douille de 14, et tu viens desserrer ici. Attention, ça va couler. Je l'ai déjà dit genre 1 million de fois dans la vidéo où on met les étriers Brembo sur la 406. Le liquide de frein, c'est très 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 corrosif. On essaye de pas s'en mettre sur les doigts, de pas en mettre sur la peinture. Merde, et il faut ouvrir le bouchon, c'est peut-être mieux. Hop. Et c'est parti. Donc bon, bah là on voit le niveau baisser doucement. Putain, faudra bien que je nettoie ça aussi après. Ah merde, est-ce que EBC, ils ont donné la nouvelle vis banjo et le joint? Oui. C'est mieux. Bon, bah là, pendant que ça fait goutte-goutte, on peut déjà enlever cette vis-là aussi, là, tu vois. Donc là, c'est douille de 12. Voilà. Waouh. Et du coup, bah, ça va nous permettre de pouvoir la mettre comme ça. Et ça coulera peut-être un peu mieux. On en est où, là? Ah, bah, ça va, ça descend doucement. Après, il va falloir déraccorder ici. Là, bah, tu vois, tu as une agrafe là qu'il va falloir tirer. Et après, on va pouvoir dévisser là. Ou là, je sais pas. Non, c'est peut-être là plutôt. Voilà, l'agrafe est retirée. Donc, bah, tu l'enlèves avec ce que tu peux. Moi, j'ai opté pour la pince multiprise. Et du coup, bah, ça, c'est libéré. On va pouvoir... non, en fait, ouais, il va juste falloir desserrer ça. Là. Ouais, parce que là, tu vois, là, c'est une durite rigide. Donc, il faut desserrer la durite rigide, en fait. Hop, voilà. Et une fois que tu as tout dévissé, et ben ça, voilà, tu tires par en dessous. Putain, bah c'est vraiment pourri. Hein. Sur la Duritonda, comme tu vois, il y avait un espèce de plat ici, en fait, qui venait s'insérer là-bas dedans. Bah, ça t'empêchait que le machin tourne quand tu veux desserrer au-dessus. Là, tu vois, sur les Durites EBC, il n'y a pas de replat, tout est rond. On pourra plus y bloquer grâce à ça, parce que tu vois, là, il y avait la forme qui correspondait à la Duritonda. Par contre, sur la Durite EBC, où, tu vois, on a une empreinte hexagonale. Donc, on pourra y mettre une clé ici pour pouvoir desserrer au-dessus. Donc là, bah, ça va en lieu et place de l'origine. Tu la renfiles là et tu viens resserrer ce petit truc par au-dessus. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait besoin d'un pote pour pomper la pédale tout à l'heure. Bonjour Florian. Bonjour. On la refixe ici, on la refixe ici. Donc là, c'est pas encore serré. Pour les rondelles du raccord banjo, une rondelle comme ça, on met le banjo et une rondelle en dessous. Et là, on peut le remettre à l'emplacement de la durite d'origine. Putain, mais elle va pas la vis ou quoi? Tu penses que la vis, elle va pas? Non, 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 mais au pire, moi, je remets la vis d'origine, hein, l'histoire, elle est réglée. Hein. Voilà, et maintenant, le banjo, c'est du 14. Bon, la vis banjo EBC, on en parle? Heureusement, j'ai réussi à extraire le petit bout qui reste, parce que t'imagines, le petit bout, il reste dans l'étrier? Bah là, on est mort, hein. Bon, bah, j'hésitais, mais maintenant, la question ne se pose même plus. On va réutiliser les banjos d'origine. Hein. Ah bah... On t'a, hein. Et voilà, du coup, j'ai remis la graffe, j'ai resserré la vis qui va là, et j'ai remis la vis banjo d'origine, vu qu'on a vu que bah, c'est le BC. Pour l'arrière, c'est pareil, petite clé de 10, ou clé à tuyauter de préférence. Là, après, elle part là-bas dessous, et elle est accrochée là. Donc là, c'est du 12, et après, ça va jusqu'au banjo. Qui est là, et là c'est du 14. Voilà. La graffe, elle allait en haut ou en dessous? En haut. Voilà, donc là le raccord est démonté, donc on enlève la graffe, et puis après, on va pouvoir l'enlever par en dessous. Hop. Puis là, bien sûr, pas hésiter à bien nettoyer. Avec le flash et tout, là ça ressort tellement dégueulasse. Tu vois le gros ton de vis plat? Et voilà pour les Duritavia à l'arrière. Donc du coup, hein, elle passe là, elle est accrochée là, et après, eh ben, elle va là jusqu'à l'étrier. Mission plaquette. Donc à l'arrière, on a ces espèces de tôles à la con là. C'est des tôles de protection par chaleur, je sais pas trop. Mais du coup, tu vois qu'elle nous gêne pour le dévisser là. Donc t'as une vis là et une vis là.
Et là, bien sûr, la dernière, le cliquet, il passe pas. Voilà. Putain de t'es mort. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, t'enlèves celle-là, c'est du 12, et t'enlèves celle-là. Et on va pouvoir après bah, retirer cette partie-là. De une et de deux. Et ça, maintenant... Merci. Voilà. Et les plaquettes. Ah, ça va, il en restait. Voilà. Oh, il me restait encore 3 mm avant d'arriver au témoin. Ça leur fera quand même pas de mal. On enlève les petits polisseaux là. Donc pour ça, tire simplement dessus, sans déchirer le soufflet. Hop. Et celui qui est au-dessus, comme ça. Voilà. Et les plaquettes. Alors, si on peut, on graisse le bout là, pour que ça coulisse bien en fait sur ces parties en métal là. Pareil. Pas sur la plaquette bien sûr, sinon ça marche pas. On remet l'étrier. Faudrait le dire dans la vidéo, bien penser à que lui il soit aligné à ton étrier. Parce que tout à l'heure moi tu vois, il était dans l'autre sens, j'ai pas pu le remonter tu vois. Comme ça. Ah oui. S'il est comme ça, tu peux pas remonter ton étrier. Ah oui, oui, oui. Pour que la partie plate elle soit là. Ouais, bah écoute, voilà, tu l'as déjà, voilà. Tu l'as déjà très bien dit. Voilà, donc ça c'est serré. La tôle de tous est mort. Bon, bah maintenant, mission purge. Donc Flo, il va nous mettre le bon liquide. C'est le meilleur liquide de frein de tous les temps, ouais. À Skip. Ah oui, attends, parce que je voulais peut-être quand même mettre un petit coup de nettoyage à ça avant, là. Donc voilà, bah tu nettoies ton bocal du mieux que tu peux. Ainsi que le petit filtre qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Hop. Et maintenant, bah ouais, là, faut remplir jusqu'au maxi. Voilà, là, Flo, tu vas monter dans la voiture. Tu vas pomper. Et puis, puis après, vous allez voir comment ça se passe. Tu prends ton petit bidon, t'enlèves le bouchon qui est là. Tu branches ta durite, tu vois. Voilà. Je prépare ma petite clé comme ça. Vas-y, pompe. Faut bien pomper jusqu'à ce que la pédale soit très dure. Limite qu'on puisse même plus appuyer dessus tellement que c'est dur. Le temps que bah, le liquide en fait retraverse toute la voiture et aille dans les 4 conduits de frein. Et dans l'ABS et tout le bordel. Ça commence à être plus dur, Flo ? Ouais, doucement. Ouais, mais tu sens une différence ou... Ouais. Bon bah, c'est bon signe. Voilà, donc là, Flo me dit que la pédale commence à être bien dure. Vas-y, reste enfoncé. Vas-y, pompe. Reste enfoncé. Voilà, et là, vous voyez, il y a les petites bulles. Et tant qu'on voit des petites bulles comme ça, c'est qu'il y a encore de l'air dans le circuit, donc il faut continuer. Donc là, je ferme. Pompe. Reste enfoncé. Voilà, encore un petit peu. Vas-y, pompe. Même s'il n'y a plus de bulles en soi, il faut bien continuer de purger jusqu'à ce que bah, le liquide qui sorte il soit bien clair, bien propre. Parce qu'il faut bien faire attention de ne pas mélanger les différentes marques de liquide de frein parce qu'ils n'utilisent pas tous les mêmes additifs, tout ça, tout ça. Ah, et j'ai oublié de parler de l'ordre de purge. J'ai pas vraiment trouvé de documentation précise là-dessus, même dans la RTA et tout, j'ai pas trouvé le chapitre concerné. En règle générale, comme sur toutes les voitures, il faut commencer par la roue la plus éloignée du maître cylindre. Donc là, le maître cylindre... Il est bah, du coup côté conducteur à l'avant. Donc il faut faire arrière-droit, arrière-gauche, avant-droit, avant-gauche. Vraiment partir du plus loin possible du mètre cylindre. Et après, quand je parlais des résidus de l'ancien liquide, bon bah vous voyez la couleur du truc. Putain, j'en fous de partout. Vas-y, pompe. Reste appuyé. Ouais. Regarde la couleur du truc qui sort. Vas-y, pompe, pompe. Ah ouais, regarde. Et tu vois, ça devient de plus en plus clair. Parce que c'est le liquide tout neuf qui vient remplacer l'ancien, quoi. Hop, on resserre. Attends, je vais regarder s'il reste du liquide. Ouais, tu vois, il n'y en a plus beaucoup, là, dans le vase. Je vais en remettre un peu. Et voilà, maintenant qu'on a fait le tour des 4 roues et qu'on est sûr qu'il n'y a plus de bulles nulle part, on se remet au max ici, on remet le bouchon, et la purge est terminée. Bon, bah maintenant, on va se remettre les roues et puis on va aller tester tout ça, hein. Thank you.
zone morte, tu vois. Ouais. Ça freine, hein. Oui, tu vois, ça freine même bien. Mais j'ai ça de zone morte et la pédale, elle est molle. Enfin, j'ai aucun mordant, quoi, tu vois. Si je tire le frein à main... Tu vois, ah si, c'est un petit peu... Non, bloqué. Mais ça, faut, je pense que c'est tes plaquettes aussi, hein. Bon, aussi, quand même. Alors, pour cette histoire de frein, du coup, je me suis un peu renseigné et en fait, tout le monde a le même problème, c'est-à-dire après purger les freins de leurs EK, la pédale est molle, il y a la moitié de la pédale qui est carrément inutile. Donc en fait, ce que les autres ont fait, qui a à peu près résolu le problème, c'est de rouler 100 ou 200 km comme ça, de bien déclencher l'ABS. Je sais pas, peut-être que le fait de déclencher l'ABS, ça ouvre des trucs qui font que t'as encore des bulles. Enfin bon, je sais pas, je suis pas assez savant pour ça. Et après avoir fait tes 100 ou 200 km, tu refais une purge, mais en fait, faut la faire en croix. Ouais, voilà, tu vois, il y a toujours un truc, personne n'est d'accord sur comment on purge une voiture. Bref, sur celle-là, je vous le dis, c'est en croix. Comme d'hab, hein, tu commences par la plus éloignée du mètre cylindre, tu fais arrière-droit, avant-gauche, arrière-gauche, avant-droit. Et tu verras que ça ira un petit peu mieux. Allez, on va s'attaquer au durite. De connard. Je sais pas pourquoi, t'as rien dit pour l'instant, hein, mais c'est déjà drôle. Du coup, donc avant de changer les durites, il va falloir vidanger le circuit de refroidissement. Donc on peut déjà ouvrir le petit bouchon là. Et tu vois que le liquide, il est quand même ultra propre. Ah ouais. Je t'aurais bien dit quelque chose, mais ça va pas te plaire. Mais quoi? T'as le dire quoi comme mon anus? Tout beau, tout lisse. Coquin. Et alors du coup, je sais pas si tu vois, mais là, sous le radiateur, t'as un petit robinet du coup que tu peux ouvrir pour vider le radiateur en fait. 17. Tu vois pas mon doigt là? Si, si, je vois ton doigt aussi. Anto? Ouais. C'est quoi la différence entre une moule et une huître? Entre une moule et une huître? Ouais. Je sais pas, le kilométrage? Non. C'est quoi? 20 ans. Oh, j'étais pas loin. Ça va couler là. Ça coule. Ah putain, mais ça va couler droit. Ça y est, tu viens de réaliser. Ou sinon, je le laisse couler comme ça, tu me laisses couler comme ça, ça va dans le trou là. Bon, c'est du 17 hein, en tout cas. C'est un peu long, hein. Je pense qu'on va accélérer le processus. On va y foutre une durite comme ça pour rediriger le flux vers le bas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que la durite, elle va passer, là? Oh, ce galérien. Putain, elle passe pas, la durite. Ouais, bon, c'est une galère. Putain, je me prends tout dans la gueule. Mais là, je sais très bien que dès que je vais enlever le bouchon, ça va couler droit devant. Ah. Peut-être un peu mieux, non? Ah bah, ça coule un peu plus, là. Ces plans-là, ils sont magiques, hein. Ça a quel goût? C'est quelque chose de non descriptible. Là, ça te rappelle pas un goût en particulier? Non. Non, Pierre. Non. J'ai juste pas envie de te péter ton collier. Je vais la mettre derrière. Ton truc, là, il me fait chier. Ah, t'en fous de partout. Ça y est, la carrosserie, elle est morte. Tiens-la vers le haut quand même, on sait jamais. Toujours. Ah non, non, après, c'est déjà tout descendu sur la... Ah. Ah. Ça fait glou-glou. Ah putain, mais ça coule à côté. Putain. Beau gosse. C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie. On dirait, là. Hop, encore une durite d'enlever. Après, je sais pas si c'est bien nécessaire qu'on montre, parce que bon, enlever des durites, c'est facile, hein. T'appuies sur le collier, tu l'enlèves, tu tires sur la durite et ça vient, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? C'est que ça fait le même bruit qu'on le force son cul. Ah, c'est drôle, hein. Ah bah, par contre, ça va être plus simple à remettre, hein. Parce que du coup, on a les colliers. Ouais. On va juste penser à les mettre dans le bon sens. Ouais, ça va là-bas. Allez. Hop. Et on se prend moins chier que tes clips, hein, avec les colliers de serrage. Ouais, mais comme tu dis, ouais, faut trouver l'angle pour qu'on puisse pas se faire chier. Là. Ah ouais, non, bah voilà, comme ça c'est nickel. Là, tu mets le cliquet là. Ok. Et là,
Et si vous voulez vidanger plus rapidement ou faire une vidange vraiment complète du bloc, c'est cette vis-là, la vis de purge pour le liquide de refroidissement. Voilà. Vu que nous, c'est pas une purge complète, enfin une vidange complète. On laisse le liquide, ce qu'il y a dans le bloc. On va pas se faire chier, on met tout le liquide pour juste changer des durites, quoi. Voilà. Surtout qu'il est propre. Il est très propre. Vu que t'as fait le moteur il y a pas longtemps, on va pas s'emmerder. Hein. Voilà. Il est très propre, je l'ai goûté et je te confirme qu'il est très propre. Ah ! Oh là ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis coincé. Comment ça t'es coincé ? Bah j'étais coincé. Voilà, donc la grosse durite du bas, en bas du radiateur est juste ici. Non, la durite du haut, là, et là. Attends. T'es sûr que tu l'as mis dans le bon sens, hein ? Oui, oui. Oh, au pire, tu changeras après. Bah non, autant le faire bien tout de suite. T'es sûr ? En parlant de ça. T'es sûr ? Moi, je pense qu'elle est à l'envers, là. Ouais, je pense aussi. Je pense que tu penses bien. Ah, tu vois, je suis pas si con, finalement. Je peux te montrer ? Oui. Tu vois, moi, je l'aurais mise comme ça. Vas-y, lâche la durite. Tu peux dire que j'avais raison. Ah, c'est dur. Hein. J'ai dit que t'avais pas tort. Oh, cette feinte. Ouais. Comme dire, c'est pas faux, ça. C'est ça, c'est pas faux. Là. Il m'a cassé le raccord du radiateur, ça y est. Au moins. Au moins. Toujours plus. Ça, ça va être ton surnom. De quoi ? Toujours plus ? Toujours plus. J'ai un moteur stock, je mets des durites silicone. Non, j'ai pas un moteur stock. J'ai un moteur stock. Oui, bah, stock. Hein. C'est moteur stock. Bah, c'est comme le mien, les stocks. Bah oui. Ah, oh, d'accord. J'ai tout rebranché. Non, mais attends, il y a le U là aussi. Je croyais que tu voulais le laisser parce qu'il était neuf. Bah ouais, mais en fait, je le pensais moins accessible que ça. Et tu me dis ça une fois que j'ai tout remis. Mais non, mais elle te gêne pas les autres là. Ouais, non, mais tu sais quoi ? En vrai, elle est neuve, donc au pire, si un jour celle-là elle perce, je mettrai la silicone. Mais là, on a déjà mis 3 sur 4, autant mettre la quatrième. Ouais, c'est vrai. Par contre, pour la tirer, c'est là. T'as mon con ? En fait, je peux pas la. C'est quoi un gendarme sur un tracteur ? Un gendarme sur un tracteur ? Ouais. Poulet fermier. Un poulet fermier. Oh, putain. Non, parce qu'on pourrait simplement enlever le carter plastique, mais. Mais ça serait beaucoup moins drôle. Ah bah, si c'est trop facile, c'est pas drôle. Bah ouais, on en chierait beaucoup moins. C'est ça. En plus, c'est drôle parce que là, je vois genre juste un bout de bouche, un bout de nez, avec ta moustache à l'italienne, là. L'italienne. Bon, toutes les durites sont en place, toutes les durites sont serrées. Donc maintenant, on revise bien le petit bouchon de vidange sous le radiateur, là. On va refaire le plein de liquide de refroidissement. D'après la RTA, pour repurger le système, en gros, il n'y a pas de procédure spécifique, genre c'est une purge automatique, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Purge automatique. Donc en fait, il faut juste re-remplir là le radiateur à ras la gueule, faire tourner le moteur, attendre 2 déclenchements de ventilateur et refaire le plein. Refaire le niveau. Le niveau à ras le bouchon. Allez, go. Donc tu mets ton petit entonnoir et là, attention, là c'est le moment où... On est d'accord que les entonnoirs c'est pour les amateurs. Hein. Non, mais là, t'es prêt ? Bah ouais. Oh, pas mal hein ? Moi je fais en sans entonnoir. Hein. Ah oui, mais toi t'es un fou toi. Ah, et aussi si vous vous demandez quel liquide de refroidissement prendre, apparemment faut prendre le Peugeot Citroën, donc c'est le bleu foncé quoi. Moi je fais partie de la team qui considère qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ouais, je suis un peu pareil. Je sais pas, moi c'est la dernière fois j'étais allé dans un AD distribution ou un truc comme ça. Et je lui dis ouais, vous avez du liquide de refroidissement. Il me dit pour quelle voiture? Je lui dis mais on s'en bat les couilles, c'est du liquide de refroidissement. Il me dit non et tout, c'est important, faut connaître le modèle. Je lui dis ah bon? Je lui dis bah voilà, c'est une Civic K4 machin. Il me dit, ok, bah il vous faut celui-là alors. Genre, je sais pas, tu sais, il a tapé sur son ordi. Non, mais oh, j'en mets bien là. Bah, je t'ai dit, hein, on a quand même bien vidé. Hein. Putain, je m'attendais pas à autant. Bah, on a enlevé la durite du bas, donc forcément, le bloc il doit pas rester des masses dedans. Puis faut remplir les durites aussi. Ouais, t'attends doucement là que je vais me prendre une faciale. Non, je t'enlève l'air de ta durite. Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? Du coup, là, on va démarrer avec bouchon vert, juste histoire que la pompe à eau, elle remplisse un peu les durites tant que ça a froid, ça. On craint pas le reflux trop du liquide chaud. Et après, on refait un petit niveau, on laisse tourner les deux tours de radiateur, et on refait le niveau, et puis voilà, basta. Là, je sais pas si on va le voir, mais... Et du coup, très important, là aussi, il faut bien mettre sur le mode chauffage, en fait, pour que ça ouvre les clapets et que ça fasse bien circuler le liquide dans le bloc chauffage aussi, bien sûr. Du coup, merci Ondash. Comme ça, on sait où on en est en matière de température. 77. Il déclenche à combien? Il déclenche à 95. 84.
Et voilà. Coupe, 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 coupe. Merci Pierre. Elles sont moins de linguer, elles en pouvaient plus. Ah, c'est vrai que c'est chiant ce. On dirait. Tu fais bien de linguer. T'as vu? Bien. On dirait un TDI. Ça, c'est un TDI à... Attends. Après. C'est quoi ce chat? C'est un TDI après un stage 3+. Non, 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 ça, c'est un chat. Pourquoi il m'ignore? Non, non, mais en fait, sur cette chaîne, on est l'ami des bêtes. Non, mais c'est pas pour lui faire du mal, tu lui mets un plomb plat. Ça vient juste claquer, comme ça, il rentre chez lui. C'est pas pour lui faire le mal. Mais il est beau ce chat, rien. Oh, j'ai pas dit qu'il était moche. Bon, les deux. Bref, putain, ouais, mais je... avec tes conneries là, je sais plus parler moi. Bon, ouais, bref. C'est de ma faute si tu bégayes. Bah, bien sûr que c'est de ta faute. Toujours. Toujours. Donc. Ah, t'es con. Tu peux la refaire. Ah, va te faire, hein. Je l'ai pris là. J'ai bossé sous la pluie moi. Tu fais quoi là? Je crame mon carton pour rouler ma clope. Mais c'est des trucs de drogués ça. Mais non, c'est parce que sinon il y a plein de petits fils. Après, tu fais. Mais sinon, t'as pas des filtres comme tout le monde. Non, les filtres, c'est un goût dégueulasse. Non, plus sérieux, c'est le goût de la cellulose des filtres, moi je peux pas. Du coup, le ventilo s'est bien déclenché deux fois. Donc, du coup, maintenant, bah, on attend que ça refroidisse quand même pour pas prendre la douche quand on va ouvrir le bouchon. Et du coup, après, bah, on contrôlera le niveau. Mais sur le vase d'expansion, en tout cas, on est déjà au max. Donc, je me fais pas trop de soucis. Vase d'expansion, il est pas relié à ton radiateur normalement. Enfin, dans une. Oui, c'est le surplus du radiateur. C'est ça. Et ça vient pomper dedans. Et pour ceux qui ne croient pas, c'est bien une clope. Hein, parce que, oui, je roule mes clopes au carton. Non, parce qu'après, il y en a toujours qui vont te mettre, tu sais. Ah, ils se trouvent un gros pif. C'est pas grave, ça fera des commentaires. Mais non, mais sérieux, les filtres blancs, ils donnent un goût sucré, là, dégueulasse. Et les filtres bruns, ça goûte le papier. J'ai autre chose à foutre. Hein. Je sais pas, gros, je fume pas. Il n'y a rien d'intéressant, je ne peux pas te dire. Ah non mais, je sais pas ce que je croyais que tu allais dire un truc. Parce que tu as fait Ah non, non, c'est je savoure. Ok. Je profite. Ça marche. Allez, c'est parti pour le carter cloisonné maintenant. Donc je vous propose déjà de faire un petit unboxing de ce magnifique objet. Donc il faut savoir qu'en règle générale, c'est quand même livré avec le filtre à huile et le joint de carter d'huile. Donc bien sûr, d'origine, hein, on va pas déconner. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc un filtre amp, donc c'est très souvent ce qui est monté d'origine quoi sur les Civic. Normalement, il est bleu. Yes, voilà. Le petit filtre à huile bleu amp, le joint de carter d'huile d'origine et enfin le carter cloisonné. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Même livré avec le petit bouchon et tout. Bon, par contre, ils auraient pu mettre un bouchon spoon quand même, hein. Et bien entendu, la petite plaque qui fait plaisir. C'est beau. Mais du coup, ça m'a rappelé que j'avais ça qui traînait dans le garage aussi. Donc c'est un bouchon aimanté, un Tegiwa. C'est pas dégueu, quoi. Parce que là, actuellement, j'ai déjà un bouchon aimanté, mais c'est un truc Drift Shop. Et non pas que j'ai un souci avec Drift Shop, hein, mais je sais que voilà, Tegiwa, c'est quand même un peu plus certifié, on va dire, en matière de qualité. Allez, on retourne sous la voiture. Donc là, bah, première chose à faire, bien sûr, vidanger l'huile du moteur. Donc là, la voiture, elle a pas encore tourné aujourd'hui, donc l'huile est bien froide et elle est bien tout en bas. Après, pour pouvoir sortir le carter, donc tu vois que tu as des vis tout autour. Alors, t'en as, c'est des vis et t'en as, c'est des écrous. Il faudra enlever la partie 2-1 des collecteurs d'échappement aussi. Donc là, t'as un écrou là et un écrou là, t'en as trois. Il faudra aussi le dévisser de cette petite patte là, qui le maintient là-haut. Et il faudra le dévisser du kata. Il faudra aussi enlever la tôle de boîte là, qui protège le volant moteur, ainsi que bah, les deux petits supports là qui vont là. Tu vois, on voit qu'il y a des vis qui sont cachées sous la tôle de boîte en fait. Donc comme d'hab, hein, cliquez, douille de 17, et tu pries pour que ça coule dedans du premier coup. Et voilà. Sans en mettre une goutte à côté. Puis ce qui est cool avec le bouchon aimanté, bah, c'est que tu vois du coup toute la limaille qu'il y a de bah, démonté au bout, quoi. Et là, bah, tu vois qu'il y en a quand même pas mal. Bon, alors, fais voir ça un peu, là. Alors, il y en a quand même pas mal. Après, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que bah, je me dis que les pièces neuves dans le moteur ont pas fini de se roder. Donc voilà, c'est normal que des pièces neuves fassent de la limaille. Par contre, voilà, si au bout de la troisième vidange, je vois qu'il y en a toujours autant, là, je vais commencer à me poser des questions. Mais sinon, à côté de ça, tu vois qu'elle est encore bien marron. Elle a pas trop cramé, tu vois, elle est pas toute noire. Ouais, elle sent pas trop l'échappement et tout. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Parce que vous vous rappelez, hein, avant, quand le moteur, il bouffait de l'huile à mort, bah, l'huile en fait puait l'essence parce que les deux se mélangeaient quoi. La voiture tournait à l'essence donc c'était pas ouf. Regardez comme il est joli ce petit bouchon Tegiwa. Bon par contre, hein, Tegiwa ils peuvent pas faire comme tout le monde. C'est pas du 17, c'est du 14 maintenant. Allez, c'est parti pour le démontage du collecteur.
Donc tu prends ta péteuse, ta douille de 14. Ça y est, du coup, la partie inférieure du collecteur, elle est tombée. Pour faire un petit récap, 14, 14, 14, 12, 12 et 13, 13. Et bien sûr, bien débrancher la lambda. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, tu vois, il va falloir qu'on enlève ce petit support-là et celui-là qui est un peu plus grand. Donc tu vois, celui-là, il a 3 vis pour pouvoir enlever la tôle et donc pouvoir dégager les vis qui sont cachés là-bas dessous. Et comme d'hab, bien sûr, si vous avez peur de perdre votre visserie, ce que je vous conseille de faire, c'est de la remettre à sa place avant le remontage. Donc tu vois, là, là. La tôle de boîte est retirée. Bon, j'ai juste eu une petite galère. J'ai juste pu enlever cette vis-là parce que celle-là, impossible de les enlever, même à la péteuse et tout. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pu la faire glisser là-dessous, là. Tu vois, il y a des petites marques. Maintenant, on a accès aux deux vis qui nous manquaient. Maintenant, il faut dévisser le carter. Et voilà. Donc là, j'ai bien fait tout le tour. Tac, 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 et il me reste juste celle-là à enlever. Et alors, quand vous desserrez, si vous avez l'impression que c'était pas serré, c'est normal. Hein, parce que les vis de carter d'huile, c'est 12 Nm. Hein, c'est vraiment très peu. Donc voilà, moi aussi, la première fois, là, j'avais l'impression que c'était tout desserré. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, non, c'est normal, il faut pas trop y serrer, parce que sinon, ça écrase le joint. Et après, bah forcément, c'est plus très étanche. Donc allez, j'enlève la dernière vis, là, et je tombe le carter. Vous me croyez? Si je vous dis que je suis bloqué par ça, là, tu vois, là, il y a un petit truc qui dépasse. Et ça m'empêche de le sortir. Putain. Bon, bah faut que je trouve une solution pour virer ces deux 12 là. Donc pour vous expliquer en fait là où ça coince, c'est que bah j'ai deux douilles de 12, mais les deux elles sont rincées. Tu vois, elles sont toutes rondes et tout. Du coup bah j'ai dû courir à un garage à côté de chez moi là, qui sont super sympas, qui m'ont dépanné une douille. Ça devrait aller cette fois. Bon bah sans surprise, hein, là elles sont venues d'un coup. Donc tu feras gaffe parce qu'elles font pas la même taille. Mais après bon, tu verras, c'est assez logique où elles vont, hein, tu peux pas te tromper. Donc je réenlève ma dernière vis. Et là... Hop. Avec l'ancien joint. Qui veut rester là, hein, lui il était bien là. Hop. Et voilà. Et ouais bon du coup, hein, on voit qu'il y a un petit peu de limaille, mais franchement ça va quoi, tant que ça fait pas de la mayonnaise au fond du carter, ça va. Donc bon, si t'en es arrivé à ce stade de la vidéo, j'imagine que tu connais la réponse à cette question, mais je vais quand même réexpliquer du coup la différence entre un carter cloisonné et non cloisonné. Donc ça c'est le carter d'origine, donc tu vois toute l'huile en fait elle est stockée là, et même si tu vois ils ont quand même essayé de mettre ça pour éviter que quand tu prends un virage l'huile elle se balance de gauche à droite, et bah apparemment c'est pas suffisant puisqu'à chaque rond-point j'avais la pression d'huile qui baissait. Donc en fait si tu veux, le truc qui vient aspirer l'huile il est vraiment là, au milieu tu vois, c'est ce rond là. Là sur le carter spoon, ils ont rajouté cette tôle. Et cette tôle, donc je sais pas si ça va changer grand chose honnêtement, parce que moi le problème c'était le gauche-droite. Et là j'ai l'impression que tu vois, là et là, bah c'est foutu exactement pareil. Donc en fait tu vois, hein, c'est littéralement un carter d'origine avec ça et ça en plus. Et la petite plaque spoon là bien sûr qui va bien. 430 € spoon. Donc du coup, bah tu déballes ton petit joint neuf, et là tu vois pour le sens du joint tu peux pas te tromper parce que là t'as deux trous et là t'en as trois. Et aussi concernant le sens du joint, le côté où il y a la rainure là comme ça, c'est vraiment côté carter. Et côté bloc, c'est vraiment le côté lisse. Le joint fait pile la forme du carter, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut préparer la surface là, avant de poser le nouveau joint et le nouveau carter. Donc bon bah vu que moi c'est déjà tout neuf, y a pas grand chose à faire, mais tu vois, si t'as des résidus là, tu prends une petite lame de cutter et tu grattes comme il faut. Après, il faut mettre un petit peu de pâte à joint. Donc tu vois, là t'as une rainure, donc là il y a déjà de la pâte. T'en as une là, donc là c'est vraiment le côté pompe à huile, tu vois. Et après, côté boîte, tu vois, pareil, faut mettre un petit point là et un petit point là. Voilà, c'est tout. Il faut pas en mettre sur tout le joint et tout là, comme les autres vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est n'importe quoi. Puis c'est même marqué dans la RTA, il faut en mettre uniquement ici. Là t'as une petite rainure, là t'as une petite rainure, là t'as une petite rainure, et là t'as une petite rainure. Voilà. C'est tout. Donc là, tu vois, tu prends ta petite lame de cutter et t'enlèves ben, ce qu'il y avait avant. Bon, là, à une main, c'est un peu compliqué, hein, mais vous avez compris l'idée, quoi. Sans trop rayer, bien sûr, parce que ça, faut que ça soit le plus plat et le plus propre possible, quoi. Ou sinon, en fait, regarde, tu t'emmerdes même pas. Tu fais juste comme ça avec le doigt. Et tu vois, ça vient. Donc tu vois, hein, on les voit bien, du coup, les rainures où il faut en mettre un peu. Hein. Là, 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 côté pompe à huile. Et là, bon, je vais mettre un petit coup de propre. Donc notre carter neuf est prêt, donc on fait attention hein, qu'il n'y ait pas de petites saletés sur le joint, de petites impuretés ou quoi. Et là, bon, on va aller poser la pâte à joint bah, sur les petites rainures que je disais tout à l'heure. Dans l'idéal, hein, bien sûr, il faut prendre du Honda Bond, donc c'est la pâte à joint Honda, mais... Ouais, c'est bon, c'est bon. Du silicone, c'est du silicone, quoi. Donc tu prends ta petite pâte comme ça, tu vois, là. Bon, comme d'habitude, hein, à une main, c'est un peu compliqué. Voilà, donc pâte à joint, pâte à joint,
pâte à joint et pâte à joint. Donc maintenant, on a 5 minutes pour remonter le carter parce que sinon, la pâte à joint est plus efficace. Allez, vite, vite. Donc voilà, là, j'ai vite remis un écrou sur chaque coin. Au moins sur chaque coin, parce que voilà, c'est vraiment l'endroit où il y a la pâte à joint. Donc comme ça, on est sûr qu'elle sèche pas avant que j'ai le temps de serrer tout le reste. Sur la RTA, ils disent de serrer donc ces 6-là au couple en premier. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 12 Nm. Et une fois qu'on a mis ces 6-là à 12 Nm, et ben on serre tout le reste dans le sens des aiguilles d'une montre. J'invente rien, c'est écrit juste ici. Donc tu prends ta petite clé dynamométrique, la règle sur 12 et tu serres. Et voilà, du coup toutes les vis et tous les écrous sont remis. Tout est bien serré à 12 Nm. J'ai double check, j'ai refait le tour. Tout est nickel, c'est bon. Après, il y a juste celui-là là qui me faisait un peu souci parce que on voit que le joint, il déborde un peu. Mais après, ça le fait un petit peu ici aussi. De toute façon, tout est serré à 12 hein, comme c'est prescrit. Donc, je vois pas ce qui aurait pu déconner. C'est peut-être normal. À vrai dire, j'en sais rien. On verra bien de toute façon si ça fuit, mais bon, je pense pas. Écoute, hein, voilà, c'est marqué qu'il faut serrer à 12. Moi, je serre à 12. Hein. Et bien sûr, pas oublier de changer le filtre à huile. Donc lui, il a pas bougé. Il est toujours ici. Tiens, et du coup, on va voir ce que ça vaut, ce filtre à huile aimanté là que j'avais mis. Bah, je vois pas trop ce qu'il a aimanté. Hein. Allez, ben on va se mettre ce nouveau filtre. Le filtre à huile neuf est en place. Donc avant de remonter tout le collecteur et tout, j'aimerais quand même bien essayer d'y remettre un peu d'huile. Bah déjà pour voir s'il n'y a pas de fuite. Pour l'huile, cette fois-ci, j'ai opté pour de la 1060. Que jusqu'à présent, je mettais de la 1040 et j'avais des problèmes de chauffe d'huile. Genre l'huile qui prenait 120 degrés dès que je tapais dedans. Ou même pas. Des fois, même sur l'autoroute, elle prenait 120 degrés au pif. Donc je vais essayer de la 1060, vu que bah 60, c'est censé mieux résister à chaud. Pour ce qui est de la quantité ensuite, normalement, on en met 3,5 litres dans ce moteur. Comme d'hab, je mets déjà 3 litres. Et après, je tire la jauge et je vois où j'en suis. Bon, bah, a priori, on n'a pas de fuite. Hein. Après, oui, je sais. Voilà, le moteur, il est éteint. Le circuit, il n'est pas en pression. L'huile, elle est froide. En tout cas, il n'y a rien d'affligeant, quoi. Donc maintenant, bah, on va se remettre cette tôle de boîte, remettre les deux petits supports, les collecteurs d'échappement, la sonde lambda. Et puis, on va être bon. Hein. Et voilà, tout est remis en place. Voilà, tout est bien. Ah, putain, j'ai pas... J'ai oublié de brancher la lambda, donc tu vois. Je fais bien de repasser un petit coup dessus quand même. Donc maintenant que tout est en place, on va reposer la voiture, faire le niveau et on va démarrer. J'ai reposé la voiture, j'ai refait le niveau correctement. Donc là, je la laisse un peu tourner pour que bah voilà, le filtre à huile il se remplisse, le circuit se repasse comme il faut. Bonne nouvelle, à froid, on n'a plus le bruit de linguet. Elle fait aucun bruit bizarre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais, non, rien à dire. Maintenant, on va laisser un peu chauffer l'huile. On va voir ce que ça donne à chaud. Bon, bah, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite parce que c'est à froid où il y a le plus de pression dans le circuit d'huile. Donc, si ça devrait fuir, ça le ferait maintenant. Mais là, on a l'air bon. Bon, bah, voilà, on est à peu près à température. Bon, on entend que ça claque toujours un peu. Hein, et je pense que c'est plus impressionnant sur le téléphone que ce que ça ne l'est vraiment. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Après, ouais, voilà, quand j'accélère, forcément, ça le fait. Je pense que la 1060, c'était pas un mauvais choix. Et voilà, les petits terpentos, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ah, ça va, calmez-vous, c'est un truc en plastique. Bon, bah, tu vois, qu'est-ce que je fasse avec ce truc-là? Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Comme d'hab, qu'elle vous a été utile. Parce que, voilà, moi, c'est vraiment le but de mes vidéos, en fait. C'est vraiment qu'elle puisse vous dépanner. Qu'on mette un peu les points sur les i sur certaines choses. Parce que, voilà, personne n'est d'accord sur comment on fait telle chose, bref. Donc, bah là, j'ai pas encore assez de recul pour vous dire si la 1060, ça fonctionne mieux. Si j'ai pas encore de fuite de liquide de refroidissement, si les freins, tout ça. Bah, de toute façon, hein, on verra bien ça au HEM. Donc prochaine vidéo, le HEM, et je vous ferai un feedback sur tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas, dans la description, je mets tous les détails pour rejoindre justement bah, le convoi qu'on a prévu pour aller au HEM. Je sais que je vais déjà rencontrer pas mal d'abonnés, ça franchement c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Bon, on se voit bientôt. Je vais pas vous dire ouais la semaine prochaine, parce qu'honnêtement je sais pas. Pour le rasso du Japan Days, vous vous rappelez, j'avais genre 256 gigas de vidéos. C'est pas énorme, mais le Japan Day, c'est une après-midi. Là, c'est un week-end, donc je m'attends à un bon 5 ou 600 gigas de vidéos minimum. Surtout que là, je vous ai prévu une dinguerie. Là, je vais vraiment vous faire vivre le HEM avec moi. Je vais vraiment essayer de tout filmer, même sur la piste et tout. Il y aura 4 GoPros sur la voiture. Enfin, vraiment, je vais essayer de vous saucer, les gars. Promis, promis. Allez, je vous dis à bientôt. Et pour les plus chanceux d'entre vous, on se croisera au HEM. Je dis pas chanceux en mode t'as de la chance parce que tu me vois, je dis chanceux parce que tu peux aller au HEM. Ça y est, calme-toi là.